infographiste FX ou FX artiste ou effets spéciaux cinéma et jeux vidéo, il faut acquérir des compétences du point de vue créatif, mais aussi du point de vue technique. Il faut bien comprendre le projet, le plan à réaliser, les intentions du réalisateur, et en parallèle, bien connaître les pipelines de production d'effets spéciaux pour transformer l'idée justement du réalisateur en visuel FX. Donc il faut bien connaître les dernières techniques de simulation selon les éléments en jeu, que ce soit des fluides, de l'eau, des volumes, gaz, rigid body, des collisions, du grain, des tissus souples et bien d'autres types de simulations. Il faudra aussi bien entendu connaître donc les logiciels qui soutiennent et développent ces techniques de simulation comme Houdini aujourd'hui, mais aussi Maya, RealFlow. Pour personnaliser aussi ses compétences, on pourra donc aller vers des techniques plus spécifiques comme la gestion de foule avec Golem Cron et d'autres types de logiciels, je pense au tracking 3D par exemple. Donc il faut en définitive tenir deux pôles de compétences, l'un visuel et créatif et l'autre technique à la limite donc de la programmation ou de systèmes nodales qui vont nous permettre de mettre en place des pipelines de production.